Actuellement, j'effectue ma thèse en philosophie des sciences parce que j'ai réalisé que certaines questions et réponses scientifiques, pour les faire progresser, la philosophie et la philosophie générale des sciences est indispensable. L'écologie, alors le terme dans l'ordinaire, a deux faces. Une face qui est l'écologie théorique, qui est ce dont on s'occupe en général quand on fait de la philosophie de l'écologie, et puis l'écologie politique, qui est ce dont on discute dans le débat public. Et évidemment, ce n'est pas deux choses complètement décorrélées. Bonjour Élie et Antoine, merci à vous deux de bien vouloir participer pour parler d'éthique environnementale et d'écologie scientifique. On se prévoit donc des tournages début avril. Je reviens vers vous à ce moment-là. Je m'appelle Lauriane Mouisset, je suis chercheure au CNRS. En fait, je fais de la recherche en économie écologique. Donc, c'est une discipline qui est à cheval entre l'économie et l'écologie et qui vise à étudier les questions de développement durable, si possible, sans donner un prix à la biodiversité. Je voulais mettre au service de la lutte contre la crise environnementale les connaissances et les savoirs techniques que j'avais acquis jusqu'ici. Et donc la thèse, le sujet de la thèse est arrivé vraiment à point nommé. Donc en liant un savoir scientifique et philosophique. Et donc la thèse s'intéresse aux explications, prédictions et modèles en écologie, donc avec cette approche croisée. Je m'appelle Gauthier Fontaine. Donc aujourd'hui, je suis doctorant en philosophie des sciences. Et je suis salarié de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Je travaille sur, en gros, une analyse épistémologique des modèles utilisés et développés pour évaluer les conséquences d'un accident nucléaire. Post-production. Aujourd'hui, dans Game of Earth, un petit avant-goût de ce qui vous attend sur la chaîne ces prochaines semaines. Vous l'aurez peut-être remarqué, et si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez déjà un peu pourquoi, mais ces derniers temps, l'activité de la chaîne a été un peu ralentie. Il se trouve que depuis octobre dernier, je travaille sur une commande de vidéos qui ne sont pas pour la chaîne. Pour autant, ce projet, cette commande, n'est pas sans lien avec le contenu que je propose ici. Et du coup, j'en ai profité pour réaliser aussi des vidéos pour la chaîne. Il y a donc une série assez conséquente qui va sortir dans les prochaines semaines. Mais il va falloir attendre encore un peu parce que tout n'est pas tout à fait fini et doit être correctement coordonné. Mais c'est en cours et je remercie bien évidemment encore celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur YouTube. Et je vous dis à très très vite pour les nouvelles vidéos.